Coucou, coucou à tous, coucou à tous, chose promise, chose due. J'avais dit que j'allais faire le direct, que j'allais décrypter le direct de. Ah, moi, je suis déjà devenue. Maman, bonjour, Oma. Maman, depuis hier, je fais les directs. Aïe. Aïe, depuis hier. Depuis hier, je fais les directs. Oh, le Congo, ça et moi. C'est quelque chose, hein. Le Congo, ça. C'est quoi même comme ça? On m'a vendu. Chose promise, chose due. Bon, apparemment. Pas apparemment. La marraine, apparemment, elle est marraine. La marraine a parlé. Appelez-moi Magluta. Je vais répondre à la marraine. Oh, cof. Moi-même, si on m'a appelé dans les histoires des gens. Hein? Il n'y a que je décrypte le direct, les directs de leur. Le pendant sans fit Magluta. Pendant sans fit ma gluta avec l'entrée en scène ma pampesse. Attendez que je m'habille, que je mette. Il fait froid, mon Dieu. Donc, le pendant sans fit ma gluta. Et pendant sans fit ma gluta. Juste qu'il parle même anglais, fit. Donc, fit. Bon, écoutez un peu le direct de la femme, c'est. Qui dit que Nala Boys, bonjour. Qui dit qu'elle est la marraine. Écoutez comment une personne parle. Magluta, venez. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Attendez, ah, attendez. Juste qu'elle fait même vérotiser. Attendez, attendez. Attendez, je mets comme ça pour que ça parte jusqu'au bout. Jusqu'à FFWATZ. Et des mots doux qui sonnent. Attendez, voir. J'espère que ça là. Voilà. Ça là ne va pas se retrouver au tribunal. Hein. Moi, j'ai décrypté seulement, maman. Ça là ne va pas se retrouver au tribunal. Ok. Bonjour, bonjour ma petite soeur d'amour. Ma petite soeur d'amour, on dit que Pandjansan fuit ma gluta. Comme j'avais promis de décrypter le direct, si je l'ai écouté, il n'a que 5 minutes. Donc, moi, je ne vais pas durer. J'ai cru en des amitiés qui se sont répandues. Voilà. Bon. Comment allez-vous? Comment vous avez dormi? Moi, j'ai bien dormi. Hein. J'ai très bien dormi. Très bien même. Très bien dormi. Avec le Congoussa qui est dehors là. Avec le Congoussa qui est dehors, je vais que bien dormir. Hein, parce que je me nourris de ça. C'est ça qui me donne les étoiles. Le Congoussa. Ça me donne les étoiles bien propres. Voilà, le Congoussa, le Congoussa. Ok, bon maintenant je vais révéler être des illusions. Oh, j'ai donné de qu'est-ce mon que temps ça me donne comme ça? À la gloire, à la... Voilà, bon, voici ce que la femme, femme se dit. La femme de la loi atlantique, mm-hmm. Madame. Je vous vois trop agité ces derniers jours sur le net. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Qu'est-ce qui vous arrive? Les gens avec qui vous avez cheminé, les gens avec qui vous avez mangé, les gens avec qui vous avez fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? Hey. Je ne suis pas la marraine de Star, me semble pour rien. Quand il y a quelque chose, il faudrait que je dise quand même un mot. Et surtout que je connais la vérité. Dis-nous la vérité, maman. Vous avez quel problème? Mais revenez sur Terre. Mmh. Vous parlez de quoi, là? Mmh.
Vous pouvez payer Jean-Louis Messin. Oui. Vous pouvez payer sa maison. Oui. Vous pouvez payer ses factures. Oui. Vous êtes venu. Ok. Voilà la marraine. Juste comme m'a dit hier dans mon direct, que moi je n'oublie pas, hein, surtout quand ça concerne le Congo, ça. On m'a dit dans mon direct hier que la marraine a fait un direct pour parler de la vérité. Parce que Pandjan Sang a écrit merci la BIC pour la vérité. Au moins, tu es un témoin oculaire et non des témoins de la manipulation. Et je vous rappelle que ce n'est que le début des témoignages. Ce n'est que le début, d'accord? Des témoignages sont en cours de téléchargement. Plus rien ne sera plus comme avant. Vous pouvez compter sur moi. Sur ces parents qui a fait le post en mettant le message, la vidéo de la dame au lox, la loxeuse. On dit souvent que les loxeuses sont les... Et elle dit que le diable s'habille en Prada. Et c'est elle qui a mis un truc avec le logo Prada. Ou c'est elle qui est diable. Ou c'est qui est diable. On ne sait pas. Bonjour Flora Runa. Bonjour. Ma Sambi. La reine mère de Lolomania. Comment tu vas? Donc, elle dit que le diable s'habille en Prada. On va écouter son truc. Je vais contacter pour que Star Messin soit le gérant de vos produits. C'est ce qu'elle a fait. Et vous deviez normalement payer. Pourquoi est-ce que vous parlez du paiement partout? Vous êtes une suffisance inouïe ou vous croyez que vous pouvez marcher sur les pieds des gens? Les femmes sont allées dans votre anniversaire. Qui les a amenées? C'était la Star Messin. Elles sont revenues là-bas avec les têtes. Voilà. Donc, ça revient à ce qu'on disait sur le poste d'un certain Yao Messin. Je vous ai dit que, bonjour ma maman chérie, ma maman, maman Colette. Je vous ai dit que ce poste a été fait par Ngotuma Nyokseline ou par son mari. Parce que ce que le poste a dit, Yao Messin a dit, c'est ce que la marraine, soi-disant marraine de je ne sais quoi, est en train de dire ici. Donc ça veut dire que ils avaient organisé leur coup depuis contre Gluta. Et Ma Pampès entre en jeu pour venir soi-disant faire la paix, mettre autant pour moi vouloir mettre la paix, tout en sachant que elle a choisi son camp. Nous tous, nous avons vu qu'elle a choisi son camp. Parce qu'une repartissante de la paix est celle qui calme le jeu. N'est pas celle qui partage ou on insulte son interlocuteur. Oui, parce qu'en ce moment, c'est les lignes. Donc, c'est l'interlocuteur ou son adversaire. OK. Mais elle a partagé au Gluta, Ma Gluta donné les avertissements au couple Pandjan Sang et Ngontuma Nyokseline. Voilà. Et là maintenant, la loxeuse qui va aussi être fabriquée depuis des années, qu'elle danse dans le truc de Pandjan Sang, qui dit que c'est Ma Gluta qui avait contacté Pandjan Sang. Je trouve que c'est normal que Ma Gluta contacte Pandjan Sang ou Ngontuma Nyokseline pour être égérie par rapport à leur relation. Je ne vois pas où est la faute de Ma Gluta. Ma Gluta a contacté, comme elle a dit, Lady Sonia, je pense que ce nom existe, et Eka, de les gens de la Côte d'Ivoire et du Togo, ou peut-être du Togo, je ne sais pas, ou du Congo, je ne sais pas. Voilà, donc ça veut dire qu'elle voulait que ses produits partent partout. Donc, elle est commercial. Je m'attarde sur le mot commercial parce que c'est comme ça que un commercial doit agir. Elle doit entrer partout pour pouvoir vendre son produit. Donc en disant que c'est elle qui a contacté, elle n'a pas menti. Elle les a contactés parce qu'elle a un commerce à vendre. Donc quand toi, tu viens aujourd'hui
tu te mets, tu fais le post et le direct ou la vidéo. Au lieu de calmer le jeu, tu viens aussi, tu prends parti. Moi aussi, je prends parti de Magluta. Oui, je suis avec Magluta. Quelqu'un parle du truc. Je viens là, je parle. Je te fais un lavage à sec. Voilà, on continue. Bien grosse, parce que ça a été déçu par votre comportement. Raison pour laquelle plusieurs mois après, ma star organise l'anniversaire surprise de son mari. Où vous étiez conviés, mmh. Vous deviez venir. Vous attendez, elle dit ici que elle a organisé l'anniversaire et c'est Ngotuma Nyokseline qui a fait venir les mamies. Et apparemment, les mamies ont été déçues à l'anniversaire de Magluta par rapport au comportement de Magluta. Maintenant, c'est comme ça que Ngotuma Nyokseline décide de faire un anniversaire surprise à son Jansan Karibu Shui et est convié Magluta. Voilà la suite. Et que vous avez fait le sale avec ses filles. Raison pour laquelle vous allez chercher le cousin de Jean-Louis Messin. Mmh. Vous avez payé le transport, l'hôtel. Il vous a demandé quelque chose, mais parce que vous saviez que ça sentait mauvais là où vous partez, il fallait... Il n'a pas demandé quelque chose, mais quand elle payait, il a quand même accepté qu'elle paye le transport, elle paye l'hôtel, elle paye, etc. Ceci, cela, cela, ceci. Il n'a rien demandé. Vous ne demandez jamais rien. Mais le jour où vous veniez chez moi, après que Lolo soit passé chez moi pour la réconciliation avec ma Pampès, il avait demandé. Moi, j'avais dit à ma Pampès que je ne veux pas. Penja Yindi, qui était Joël Salamatou, était au courant. Yvonne Gomatip était au courant parce que je n'ai jamais apprécié le comportement, la façon de faire de votre soi-disant frère. Soi-disant frère, je n'ai jamais apprécié. Mais comme ma Pampès n'avait pas la maison, elle avait que 6 mètres carrés, sortir, dormir. Comment on appelle ça? Dormir ou c'est sortir, entrer. Donc c'est comme ça que je lui ai accordé ça et j'ai préparé. En venant, même si on ne demande rien, en venant, il pouvait venir avec un bouquet de fleurs parce que nous sommes bien évidemment en Europe. L'intégration existe dans un dictionnaire français. L'intégration, l'intégrité ou l'intégrité, non l'intégrité autant pour moi, oui. Donc ton frère n'est pas intégré. Il serait venu avec un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin, mais il est venu comme ça, bras ballants. Il a mangé le bécouan et deux carabouches, un mangeur patenté. On va continuer. Vous soyez avec quelqu'un avec qui vous allez échanger. Rêve, elle dit qu'elle est... Elle est... Et la marraine de Ngotuma Nyokseline. Mbongo Chobi, tu dis tu pourquoi? Si c'est pour moi, tu me dis vite là, je te bloque vite fait et bien fait. Tout le monde est content. Je ne discute avec personne. Je n'appelle personne. Vous m'avez vu dire que partager, je sais que ça va partir partout. Parce qu'il y a des dormeurs sur mon mur. Si c'est à moi que tu dis tu, je t'oblige, je t'exige d'écrire et dire que c'est moi ou ce n'est pas moi. Parce que si tu ne le dis pas, je te bloque et tu ne verras plus jamais rien chez moi. Parce que vos mamans pompes que vous faites souvent là, il ne faut pas faire ça avec tout le monde. Imbécile. Chouane. On continue. Madame la Gluta de la loi Atlantique. Mm-hmm. Vous n'êtes pas gentille. Vous êtes gentille. Vous avez un cœur très noir. Et n'oubliez pas que nous toutes. Nous avons des cadavres dans les placards. Les vôtres. Oui, Tamsi. Donc, tu la connais tellement pour savoir qu'elle est le cadavre dans les placards, alors qu'elle n'est pas ton amie. Elle est plutôt l'amie ou la sœur de Ngotuma Nyokseline. Mais tu sais déjà qu'elle a les placards, les cafards dans son placard. Ça veut dire que vous êtes assis.
vous avez organisé lui faire du sale. Ce n'est pas maintenant. C'est pour cette raison que les mêmes propos que tu utilises, c'est ce que Pan Jansan a utilisé dans l'un des directs qui a choqué Magluta en disant que des gens ingrats. Et quand il traitait des gens ingrats, il parlait de qui? Il parlait de Magluta. Et Magluta a répondu, pourquoi la riposte vous fait mal? La riposte est proportionnelle à votre attaque. Donc c'est vous qui avez attaqué. Déposez les armes. Parce que si vous ne déposez pas les armes, je suis avec vous, Balata. Magluta, je suis sa cousine. Comme tu es la marraine de Ngontuma Nyokseline, je suis la cousine de Magluta. C'est comme ça. Maintenant, vous qui allez venir me demander que je suis sa cousine, de quel côté, c'est vous qui voyez. Si vous connaissez ma famille, on va parler. On continue. Mais je voudrais vous dire, surtout vous rappeler que le show que vous êtes venu faire à l'anniversaire, Motif, la première fois que vous êtes venu, vous êtes arrivé là-bas, vous avez dormi là-bas. On est venu vous chercher. La deuxième fois, vous êtes venu, nous tous on a dormi. Et la troisième fois, vous avez pris l'hôtel parce que vous saviez que ça sentait mauvais. D'accord. La première fois, elle est venue dormir. La deuxième fois, elle a dormi. Et chaque temps, vous êtes toujours en train de rappeler aux gens qui viennent dormir chez vous. Vous êtes toujours en train de rappeler aux gens qui viennent manger chez vous. Vous êtes toujours en train de rappeler les faits et gestes des gens qui viennent chez vous. Vous allez le faire pour tout le monde qui est arrivé chez vous parce que c'est dans votre comportement de quartier. C'est dans votre comportement de quartier. Si elle a dormi chez vous, Pandjan Sang a dormi chez moi. Dormir chez quelqu'un ne veut pas dire a passé la nuit chez moi. Il a dormi, sa femme a dormi sur mon canapé. Elle était gaillardement assise avec les pieds sur mon canapé. Oui. Donc elle a dormi aussi chez moi. Aujourd'hui, je le dis. Parce que vous avez l'art de sortir toujours ces propos. Si on ne mange pas chez vous, on dort chez vous, on oublie les caleçons chez vous, on fait ceci chez vous, on chie, on ne tire pas la chasse d'eau chez vous. Toujours chez vous. Vous, vous ne faites jamais rien. Et quand je viens dire que Pandjan Sang a cassé mon seau à champagne, que jusqu'à aujourd'hui je pleure, ça vous énerve. Quand je dis que Pandjan Sang a demandé l'Ondjan Sang, sachant que sa femme avait l'intention de faire l'Ondjan Sang depuis 5 ans aujourd'hui, elle attendait que les jumelles partent à l'école. Depuis 5 ans. Comme vous le dites, madame la loxeuse, qui veut être star depuis. Elle, au moins, elle est partie vers Pandjan Sang pour signer un contrat. Parce qu'elle est commerçante. Toi, qui veux donc te mettre sur Facebook, tu es quoi? Commerçante, tu vends quoi? Commerçante, tu vends quoi? Tu es quoi? Vous venez dire qu'elle est sur Facebook, elle est en train de se pavaner. Toi, tu es quoi qui vient te placer là sur Facebook avec ton faux Prada? Avec ton faux Prada. Allez me déposer plainte. Si tu veux, tu ajoutes la citation directe à mon adresse. Regarde. Regarde-moi celle qui parle avec le faux. Je ne sais pas. AliExpress même est perdu entre vos mains. Ok, on continue. Et quand vous êtes venu farotter, vous parlez du farotage. Vous êtes venu farotter 3400 euros. Donc, on vous a remis ces 3400 euros. Donc, elle a farotté 3400 euros. Vous aviez compté l'argent. Le Yao Messandi, qu'elle a donné 3000 euros. Maintenant, écoutons un peu le mensonge. Yao Messandi dit qu'elle a donné 3000 euros. Et que dans les 3000 euros là, on a donné au couple Ndjan Sang et Nyokseline 300 euros. Écoutez ce que la sœur de Ndjan Sang va dire. C'est vous qui écrivez et c'est vous qui parlez encore. Ce n'est pas quelqu'un. Hein. Moi, je décrypte. Voilà. Même soit, oui ou non, soyez sincère. Quand on parle de la visibilité, ça vous refroidit. Alors que c'est celle-là que vous cherchez.
C'est normal qu'elle cherche la visibilité. Elle est commerçante. Toute commerçante sur Meta, ce n'est pas votre Meta. C'est le Meta de Zuckerberg. C'est son Meta. Il a mis ça. Il y a un endroit où on appelle Marketplace. Il y a un endroit où on fait publicité. Il y a un endroit où on fait bavarder. Il y a un endroit où on fait commenter. Donc, c'est normal qu'elle cherche la visibilité. Elle en a besoin pour vendre ses produits. Or, ton frère, soi-disant, a commencé à chercher la visibilité ici depuis en venant cogner la tête entre Cécile Ndema et les jumeaux d'Ipita. Quand il a fait l'entrée en jeu dans Facebook, c'était ses premiers directs. Il a amené le Congo en disant que les jumeaux d'Ipita sont en train de lui dire de ne pas aller à la soirée de Cécile Ndema. Mais lui, il va partir. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, lui, il voulait la visibilité. Ton frère cherche la visibilité depuis des années. Ton frère force même la visibilité. Ton frère force même ce qu'il n'est pas. Il faut vivre selon vous. Ne vivez pas selon les gens. Donc, Magluta, jusqu'ici, a le droit de chercher la visibilité pour vendre ses produits. Donc, tu crois que tu as trop tué en sortant faire le direct ou la vidéo sur elle. Tu as trop tué, tu parles trop bien. Maintenant, toi, tu dis que c'était 3400 euros. On lui a remis tout son argent. Or, dans un poste de Ngontouma Nyokseline, alias Yao, Messan, dit que elle a donné 3000 euros. C'était 3000 euros. On a remboursé. Elle a farouté. Elle a fait cadeau de 300 euros. La honte. Le mensonge de ça. Bande de manipulateurs. On continue. Vous venez derrière le couple Messan pour faire quoi? C'est pour chercher la visibilité. C'est normal. Ah, vous êtes sur Facebook depuis 2015. Mais qui c'est qui vous connaissait? Arrêtez votre cirque. C'est vous qui êtes derrière. Vous êtes dans tous les tirés des gens, lui, Messan. Vous l'avez déjà vu chez vous? Non. Elle est dans tous les directs de Pandian San. Pandian San ne l'a jamais vue chez elle. Mais Pandian San est au courant. Moindre direct, il répond. Moindre direct, il répond. Donc lui aussi, il dort là-bas. Il dort là-bas. Donc ne nous dis pas qu'il est trop parfait ou les. Non, il dort dans le direct de Magluta. Oui, 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 c'est pour cette raison qu'il vous a appelé au secours, parce qu'il est un lâche. Parce qu'il voit qu'on a déjà ouvert les yeux, que comment un babien, comme disent les Ivoiriens, peut se lever tous les jours pour insulter les femmes. Comment un babien peut se lever tous les jours pour parler des culs des femmes. Donc, il dort aussi là-bas. Donc, il se dorment dans les directs. C'est le verbe dormir. Il se dorment dans les directs. Voilà. Comment toi, tu as su que elle dort dans le direct et ton frère ne dort pas et tu es sorti faire un direct ou une vidéo jusqu'à il a posté sur son nom. Même pas honte. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est pas la visibilité. Elle cherche. C'est parce que mon petit frère est têtu. Je lui ai dit, cette femme. Et si c'est ton petit frère, il est laid, hein? Parce que toi, tu es quand même, passable, hein? Si c'est ton petit frère, il est laid. Le père, là, est laid. S'il est ton petit frère. Mais toi, tu es sec comme le Mukanjo. Parce que toi-même, bon, tu es passable en tant que femme, voilà. Mais la sécheresse de ça, fumeuse de manga, la majorité des loxeuses, ce sont des gens qui fument le manga. Donc, tu es collègue des fumeurs de manga. Donc, ton frère est trop laid. Si c'est ton petit frère. Ah, je comprends. Tu caches la vieillesse. Parce que s'il a bientôt 80 ans, tu as bientôt 100 ans. Mais tu es quand même quelque chose. Regardez-moi ça. Avec les lèvres de pacotille. Chouan. On continue. Voilà. J'achète ça. Oh. Il n'est pas bien. Ils m'ont dit, oh, la bille, comme il m'appelle. Ah, donc, je dis souvent, vous marchez avec des gens, mais vous allez commenter sur des personnes, sur ces mêmes gens.
dont vous avez eu à faire la réunion sur Gluta. Ça veut dire que son poison pouvait sortir entre vos mains. Vous êtes allé faire une réunion, toi, en disant que il n'est pas, elle n'est pas bien. Et quand tu as donc dit ça, ton frère a fait quoi? Il a continué parce qu'il voyait ses intérêts. C'est un homme, pas d'intérêt, pas d'action. Il voyait ses intérêts. Voilà. Affectueux selon la BIC. Ils m'ont dit non, laisse tomber et tout, c'est pas grave et tout. Aujourd'hui, je savais que vous n'étiez pas une bonne femme. Toi, tu es une bonne femme. Vous êtes méchante. Toi, tu es gentille. Vous voulez saboter les produits de ma fille. Elle avait son projet de... Elle ne sabote aucun produit. C'est vous qui avez commencé la guerre et elle va gagner la bataille. Et c'est comme ça. Vous avez commencé la guerre à Magluta et elle va gagner la bataille. On a vu. C'est vous qui avez commencé à lancer les premiers pics en disant que les gens sont ingrats. Et quand vous parliez des gens ingrats, vous parliez d'elle puisque tu es en train de le confirmer. Donc c'est vous. Supportez seulement Magluta. Malgré qu'elle ait les cadavres dans son placard ou les cafards dans son placard, elle va seulement que supporter. C'est comme ça et pas autrement. Mais vous, vous n'avez pas de cafards ou de cadavres dans vos placards. On verra qui est qui fait quoi et qui est devenu quoi. Bande de Mongols que vous soyez dans votre famille idiote. Près de 5 ans aujourd'hui. Elle a attendu que les jumelles aillent à l'école pour pouvoir sortir son bébé. Et elle a sorti son bébé. Qu'est-ce que vous faites? Vous brandissez le monde entier. Vous dites que c'est vous qui avez donné l'idée. Vous l'avez envoyé chez des enfants. Quel enfant? Elle vous a dit non. Elle n'était pas chaude. Donc, vous reconnaissez quand même que, comme Marguerite a dit dans un direct, que elle a participé à l'ouverture en donnant des conseils, donc moralement, physiquement, elle était là. Donc vous acceptez, maintenant vous dites qu'elle a envoyé chez des enfants. Hein. Donc, de vous en elle, qui est donc ingrat. Puisque vous connaissez, mais vous négligez, vous minimisez. Elle l'a envoyé, au moins là on sait qu'elle dit vrai, dans ses sorties. C'est une femme claire, comme sa peau, une femme claire à la peau de lune, c'est comme ça. Les enfants, elle a créé sa marque. Mais vous avez votre gamme. Elle a sa gamme, mais chacun a son couloir. Mais qu'est-ce qui se... Mais dis-le à ta famille. Dis-le à ta famille. Je continue à dire que c'est ton frère, mademoiselle Ndiansan, avec les signes qui a commencé. Donc chacun peut gérer son couloir parce que ce n'est pas vous qui avez créé Meta. Ce n'est pas vous. Chacun peut gérer son couloir sans pourtant saboter l'autre ou sans pourtant faire du chantage à l'autre. Bipez-moi Magluta ici. Bipez-moi Magluta. C'est ton frère qui a commencé parce qu'il a l'habitude de lancer des pics. C'est ton frère qui fait des posts. Madame, soyez au moins cohérente et honnête dans votre vie. Pour une fois, je ne vous connais pas. Je dis encore, je vous vois en vous lavant propre. Mais soyez cohérente quand il y a une histoire, comme disait ma pampesse hier, du soi-disant frère et soeur Bassa. Soyez cohérente. Moi, je vous insulte parce que vous êtes fausse. C'est tout. Voilà. Et j'achète le problème. Ne croyez pas que comme vous allez prendre votre famille, c'est une histoire de famille. Elle n'a personne qui peut intervenir pour elle. Moi aussi, c'est ma cousine. J'interviens pour elle propre. Vous l'insultez, je vous lave propre, sans état d'âme, sans porter les gants. C'est comme ça. As, le mot jalousie que je n'aime pas utiliser, je suis obligée de l'utiliser ici. Parce que je me rends compte que c'est ça, rien d'autre. Vous êtes allé à Paris, vous avez payé. Mais c'était normal. Voilà. Parce que quand vous êtes fourré derrière les messins, c'est pourquoi on vous propulse. C'est normal. Qui vous connaissait avant 2000, vous avez dit que vous étiez depuis... Mais vaut mieux tard que jamais. On ne la connaissait pas hier, on la connaît aujourd'hui. On connaît.
qu'elle est Gluta Cosmétique. Et je vais faire la pub de son Diansang. Parce que son Diansang est bon. Son Diansang est bon. Son Diansang ne donne pas les boutons. Son Diansang ne donne pas les comment on appelle, la dard. Son Diansang ne donne pas les quinto. D'où vous êtes obligé de masquer avec le filtre. Son Diansang est un bon Diansang. Ma Gluta. Elle est belle plus que ta belle-sœur. Elle est belle plus que toi. Donc elle va être jalouse de toi ou de ta belle-sœur par rapport à quoi? Ta belle-sœur à quoi? Voilà sa mère qu'elle a aidée à là-bas. Elle ne peut pas s'occuper de sa mère. Depuis qu'elle est venue en France, le seul truc qu'elle a pu faire à sa mère, c'est lui acheter le moulin à écraser dans une maison en Carabout. Pour une femme de riche. Le seul truc, depuis que Mangontouma Nyokseline est en Beng, elle a passé son temps à nourrir les hommes. Elle a oublié sa mère. Depuis 1900 longueurs qu'elle a acheté, le moulin a écrasé à sec et à eau. À sec et à eau à sa mère. Avec l'argent qu'elle a, elle n'a pas pu construire la maison de ses parents. Avec l'argent qu'elle a, elle n'a rien. Avec l'argent qu'elle a. Donc, Gluta va la jalouser. Pourquoi? Gluta a payé. Là, au moins, tu as raison. C'est normal. Elle a payé. Donc, ce n'était pas gratuit. Donc, comme ta sortie là ne veut rien dire, tu n'as rien dit de bon. Honnêtement, tu n'as rien dit de bon. Tu ne l'as même pas touché, même un peu. Parce que tout ce que tu es en train de dire, elle a parlé certains mots. Donc, vous reconnaissez que vous étiez, que Ngotuma Nyokseline était son égérie. Au moins, cela, elle n'a pas menti. Donc, elle est dans la vérité. C'est vous qui êtes dans la manipulation et le mensonge. Vraiment, au lieu d'apaiser, elle vient, soi-disant, elle veut mépriser ma Gluta. Tu ne peux pas la mépriser parce que tu n'es pas belle comme elle. Voilà. Mais qu'est-ce que vous connaissez? Personne. C'est Jean Innocent et sa femme. Qui ont fait en sorte qu'on vous connaisse. Et qui connaissait Ngotuma Nyokseline et Ndiansang? C'est quand ils font l'entrée sur Meta en disant qu'ils sont hommes de paix, couple de paix. C'est à cause du Congo ça que par Ndiansang et Ngotuma Nyokseline, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est lui qui a mis le Congo ça, qui a fait le Congo ça entre les jumeaux Dipita et Ndema Cécile. Lors de la deuxième soirée de Ndema Cécile, c'est lui qui a mis le Congosa, qui a fait le Congosa entre Ma Pampès et Foucault. C'est lui le manipulateur, c'est lui le divisant, parce que moi-même, il était venu me faire le Congosa sur Foucault. Mais ça ne m'intéresse pas. Il m'avait juré qu'il ne pourra plus jamais parler avec Foucault. Mais dès qu'il voit Foucault, il commence à gesticuler. C'est lui le manipulateur, le méchant, le jaloux. Oui, on continue. Reconnaître, ça c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Vous êtes une ingrate, madame. Voilà, le mot ingratitude est venu. Une femme qui a embauché ta belle-sœur, une femme qui a payé ta belle-sœur pendant 6 mois, une femme qui a nourri ta belle-sœur et ton frère, une femme qui a payé l'hôtel, maman. Tu devais la fermer. Tu devais la fermer honnêtement. Parce que tu ne fais que accentuer les choses. Tu devais la fermer. Parce qu'elle vous a nourri. Elle a voulu se familiariser avec vous. Avec vous. Voilà où vous êtes en train de vouloir l'amener. Je suis avec elle. Vous l'amenez une vidéo où je décrypte. Mettez les vidéos, je vais décrypter ça correctement et bien. Même le jour du tribunal, je vais décrypter. Elle n'a pas peur de vous. Elle n'a pas peur de vous. C'est ma cousine. Malgré qu'elle travaille avec ma Pampès. Il sait faire la part de choses. Voilà. On continue. Je vous le dis et je vous regarde dans les yeux. Vous parlez à Jean-Luc comme un chiffon. Il est quoi? Mais madame, vous dites que la... Il est quoi? Prends enseigne quoi? S'il n'est pas chiffon, il a alors quoi? Bon, il est torchon. Bon, il a augmenté les grades.
Madame Luta, toi aussi tu exagères. Parle à Pandi ensemble comme un torchon. Parce que le niveau de chiffon, là, toi, tu as trop fait fort. Comment tu peux parler à un homme qui a les mandibules et les taches au corps comme un chiffon? Parle-le comme un torchon pour qu'on sache qu'il est important sur Meta. Et votre soeur, vous prenez votre soeur, vous voulez, vous faites semblant de la mettre sous le ventre. Et vous regardez Charlie, mais ça vous dit fichez le camp. Mais qui est Star Gotuman Yoxeline et sa soeur? Mais elle a le droit. Elle peut choisir sa soeur et demander au pingouin de la nature de ficher le camp. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? De ficher le camp, de la laisser. Depuis, dans votre groupe de PTT, n'est-ce pas, vous vous êtes arrangé, vous-même, elle a parlé, n'est-ce pas, vous êtes venu dans votre groupe, j'ai les fuites, vous avez dit dans votre groupe que, ouais, Bandiansang, arrête aussi de faire la pub d'Undiansang depuis, est-ce qu'il fait encore la pub? Parce que vous lui avez dit que c'est sa femme qui doit faire, donc, au moins, ce magle t'a donné un conseil, et vous avez juger ce conseil bien. Est-ce qu'il va encore faire la pub? Parce que vous lui avez dit que Pandiansang, ce que tu fais là, c'est le travail d'une femme. Ce n'est pas toi qui dois le faire. Au moins, remerciez Maguita qu'elle vous a donné des bons conseils. Parce que j'ai les messages de votre groupe là, des PTT, les petits traumatisés. Tranquille. J'ai ça. Ok. On continue. Jean-Louis Moussa, qui est Star Lassan? C'est une même personne. Jamais, c'est pas vous qui devez leur ficher la paix. Pandiansang est gigolo. Il gigolote la maison du blanc. Que le blanc a laissé. C'est un bon gigolo. Donc, ce n'est pas la même personne. Vous mentez. Pandiansang est homme. Gotuma Nyoxeline est femme. Ce n'est pas parce qu'ils sont mariés. On ne les reconnaît pas ici en France. En Europe, on ne les reconnaît pas. Donc, ils ne sont pas une même personne. Pandiansang, c'est Pandiansang. Gontouma Nyoxeline, c'est Gontouma Nyoxeline. Et les enfants qu'ils ont, ce n'est pas leurs enfants, parce que c'est les enfants des super achetés. C'est comme ça. Oui. J'ai parlé. Mais vous me sortez partout, madame. Et toi, arrêtez. Elle ne te gère même pas. Star est une femme très bien. Elle a un cœur en or. Quel cœur en or? Une mamie Kongosa qui est dans tous les inbox. Une manipulatrice qui envoie son mari au devant de la scène. Une manipulatrice qui ne sait pas dire à son mari que, chérie, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Elle a la régie. Elle a quel cœur à nom. Hein? Elle a quel cœur à nom. Dis-nous qu'elle a un cœur en pacotille. On comprend. Quel cœur à nom elle a. Une méchante femme. Entre les deux, je choisis Pandiansang. Parce que Pandiansang est agité. La plus dangereuse, la plus mesquine, c'est Ngontouma Nyoxeline. C'est elle qui envoie son mari au devant de la scène. Comme lui aussi, la puberté. À l'âge de quel âge? Il a connu le mot papa à l'âge de quel âge? Juste là, tu viens dire qu'il a un cœur à non. Une femme qui a un cœur à non ne peut pas dire à son mari, quand on dit que la régie, balance-moi les choses. C'est qui a la régie? Une femme à non n'est pas sur les réseaux sociaux. En train d'accepter que son mari fasse du sale, que son mari dénigre les femmes ou des gens. Une femme à nom ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux en train de prôner la haine, la méchanceté et fait semblant de rire jusqu'à dire que maman, vos lèches que vous faites dans le groupe des réunions de la grâce, des gracieuses, là, je suis au courant. On va s'entendre. C'est qui ici? Comme ça. Mais je suis vraiment le diable s'habille vraiment en Prada. En tout cas. Heureusement que le diable s'habille en vrai Prada, comparativement à ton Prada. Sauf si chacun a le logo de Prada. Le diable s'habille vraiment en vrai Prada, pas en faux Prada comme toi, un Junju Kaliba. Lili que tu sois. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ne revenez sur terre. Il n'allait plus dans les directs de Jean-Louis Moussard parce qu'il ne va pas dans les vôtres. C'est toi qui dois revenir sur terre. C'est toi qui dois revenir sur terre. En tant qu'une grande sœur, je pense que Pandiansang, tu es la grande sœur de Pandiansang et Pandiansang est le grand frère de Gluta.
Ce n'est pas ce que tu allais faire. Tu allais chercher à mettre la paix. Mais comme tu as manque de reconnaissance, le manga, tu veux l'argent du manga. Donc c'est normal que tu viennes faire le direct pour raconter n'importe quoi sur la personne de ma cousine Luta, Amélie, comme ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas bien. Toi-même, tu n'es pas bien. Au revoir. De mon énergie. Voilà. Toi-même, tu n'es pas bien. Au revoir. Maintenant, on va aller chez la dame C. Chez la dame C, maman. Je fais comprendre que donc, elle arrive du Cameroun, elle débarque au pays des Blancs, elle va créer un truc qui va nous permettre d'être. Tu vois, tu es toujours dans le doute. Fille. Le scepticisme. Incroyable. Voici une femme qui fait la pluie. Regardez les pédants de l'homme noir. Regardez celui boutons. que j'incarnais. Mm-hmm. Après, je me réveille un matin, comme c'était tout blanc et c'est purulent. Mm-hmm. Tout ça là. Mm-hmm. Je me réveille un matin, je vais devant les murs que dans la file avait remonté quoi. Elle a les jumeaux, moi-même j'ai les jumeaux aussi. Bon, mm-hmm. quitte là. Mm-hmm. J'arrive devant les miroirs, je ne vois ni que non, la file là, donc ça veut dire que ces produits sont bons. Voilà une femme qui dit que les produits sont bons. Mais je vais les faire en mon heure et en temps voulu. Bon. C'est moi qui décide. Que... En temps et en heure. Attendez. Regardez. Mais peut-être que les filles ne sont plus bien parce que c'est quand même un moment que j'avais mis regardez. Ça. Laissez-nous ça. On n'est pas là pour ça. Regardez allez, laissez vos conneries là-bas. Moi, je ne suis pas dans vos conneries. Mm-hmm. Hein? Elle dit que non, je vais lui parler. Il faut qu'elle comprenne que je suis aussi maman à Passa, comme elle-même. C'est une femme qui a pondu. Mm-hmm. Hein? Voilà, ça. Voilà donc pour l'égérie qui fait la pub d'une chance hein, qu'elle veut nous montrer que depuis qu'elle met les produits sont en train d'enlever les boutons. Donc avant, elle avait beaucoup. Regardez le mensonge. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de la publicité mensongère et c'est condamnable à 10 ans de prison ferme et avec. C'est condamnable, hein? Bon, voilà, il fallait que je décrypte le direct de Panjansan ou de sa grande soeur ou de ce qui est maman. Confirme le COVID. Ouf, tu es trop laide. La famille, là, elle est laide jusqu'à. Voilà. Mm-hmm. Mm. Voilà. On aura des personnes. Qui me tient les dédos, 1500. Ok, oh. Bon. Maté B, elle demande à Tata Lolo son histoire. L'histoire des boutons. Quelqu'un qui fait la pub, c'est une menteuse, mais vous-même, vous ne voyez pas, une menteuse patentée. Il y a les boutons partout, partout. Et le jour où Panjansan venait chez moi, il était venu avec deux filles, on t'invite, qu'on ne veut même pas te recevoir chez soi. En venant, tu viens avec deux personnes, Panjansan. Et c'est vous qui venez dire comment les gens sont venus chez vous. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Sur ce, j'ai fini de décrypter le direct de Panjansan. Magluta, je suis avec toi. J'ai encore lu un post où tu as écrit que. Magluta, arrête aussi de donner les avertissements. Sors-nous les oui. Parce que moi, j'ai soif. J'ai soif du Congo. Ça, Magluta. Magluta a encore dit que. Qu'est-ce qu'elle a dit aujourd'hui, Magluta? Attendez, je mets Gluta. Magluta cosmétique. Magluta a dit qu'elle a écrit. Elle a fait un post qui dit que. Je vous préviens. Arrêtez, Magluta. Magluta, ils sont en train de répondre. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Je suis ton avocat. Je suis ton avocat. Je suis du côté de la défenderesse. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si ça ne me dit pas, je donne à mon confrère avocat quelque part. Voilà. Mm-hmm. Oui, elle veut nous faire croire que ça finit avec les produits de Panjansan et de Ngontumanyo Céline. Vraiment.
Vraiment. Donc, Magluta. Ils ont déjà répondu, maman, la femme, c'est belle. Ils ont déjà répondu, Magluta. Oh. Hein? Ils ont déjà répondu, maman. Donc, ne perds plus ton temps à faire des menaces. Maintenant, mets l'accélérateur. Et on continue. Bon. Bon. J'en ai terminé. Bon début de week-end. Je vous promets rien. S'il y a quelque chose, je reviens. I'm the comeback. Pour ceux qui veulent acheter les bons produits, les produits non déjà santé, les produits naturels à base d'escargot, à base de glutathion, sans décapage, et voilà, allez chez ma glutathion. Moi, je fais, vous ne me payez pas, c'est ma cousine. Allez chez Gluta Cosmétique, elle va vous faire les bonnes choses et vous ne serez pas dessus. Vous voyez, ma pampers a quand même changé un peu. Et les produits de ma Gluta donnent aussi un peu du poids. Parce que c'est fait à base d'escargot, de la bave d'escargot et de glutathion. Donc, pour ceux qui veulent une meilleure peau dans leur vie, une bonne, comment on appelle ça? Une peau bien... Ouais, il faut que j'apprenne à faire la pub. Et Seigneur Jésus. Donc, allez chez ma Gluta. Un bon, hein? Donc, c'est une clasheuse, hein? Donc, allez chez ma Gluta, acheter les bons produits. Gluta Cosmétique. C'est la meilleure à l'heure sur Mita à la place parisienne. Chacun a sa part. C'est ma part, ma Gluta, j'ai été choisie. Tu veux faire ta pub. Les bouteilles, alors, sont nyanga. Ce qui est dans la bouteille, là, le liquide, là, c'est ndolé. Guinness, c'est ça. Bonjour, ma fille. Donc, allez tous à la page Gluta Cosmétique, passez vos commandes et faites-lui un coucou de ma part. Dites-lui qu'il a sa cousine, qu'il a retrouvée sur Facebook, qui s'appelle Nadège Bapa. Voilà. Donc, sur ce, bon début de week-end. Lolo, Hélène, et à tout à l'heure, je ne vous promets pas. S'il y a ma nourriture sur Facebook, je reviens. Je reviens, chop. Donc, ma Gluta, je t'attends. Tu es trop belle. Tu es plus belle que ma Nyoxedine. Je ne sais pas faire le collage, mais je vais appeler aussi mon manager. Elle va me faire le collage. Manager, tu es dans le tiret. Je t'appelle là tout à l'heure. Tu me fais le collage hein, de Ngontouma Nyoxedine et de ma Gluta. Et on va passer au vote. Qui est la plus belle, qui est la plus slim, qui est la plus nyanga, qui parle le bien, qui est civilisée. Donc, mon Touma Nyoxedine, je vais mettre ta photo en collage. Mon manager, c'est les mangrenga, les ma pampe, je dis Mathilde, ont les managers, combien de fois moi? Moi aussi j'ai un manager. Donc mon manager, tu vas me faire faire le collage de ma Gluta et de Ngontouma Nyoxedine et on va passer au vote qui est la plus belle, la plus stylée, la plus posée, la plus instruite et etc. On va passer au vote. Voilà. À bientôt. Je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao.